Ecco, allora siamo puntuali alle 3:30. Io devo dire, dobbiamo rispettare gli orari perché noi siamo in una comunicazione in radio e quelle forme moderne di trasmissioni sui televisori, quindi prendiamo posto e approfitto, vedendo entrare il professor Grosse, di chiedere a voi un caloroso applauso. Un caloroso applauso al professor Grossi perché dopo aver ricoperto gli alti incarichi della più alta corte di giustizia è ritornato a svolgere il ruolo di decano del centro studi e siccome ai decani compete la continuità del lavoro e degli impegni, eccetera, noi ecco, lo ringraziamo di essere sceso al nostro livello e quindi guidarci ancora. Grazie, professor Grossi. Detto questo, la parola spetta ai padroni di casa e per primo al rettore. È vero che a me compete di dare oggi il più caloroso benvenuto a tutti voi, il ringraziamento di aver accettato il nostro invito a partecipare a questo incontro che affronta in una panoramica internazionale, europea almeno, i problemi che noi stiamo studiando a livello del nostro paese. Un ringraziamento a chi terrà le relazioni importanti di fondo, ma anche a chi ha voluto presentare un personale contributo, a chi vorrà intervenire, eccetera. Questa verrà sotto la guida di, come si dice, di tre presidenti di sessione che sono stati invitati ad esercitare il loro potere con polso duttile ma fermo. Quindi il problema è di rispettare gli orari che ci siamo dati. Una no nota di solidarietà agli enti collettivi che il centro studia in questo momento in cui i patrimoni collettivi sono stati messi a dura prova dai mutamenti climatici o comunque dalle intemperie che si sono verificate nel nostro territorio. Una notizia, peraltro mi piace darla importante, che la Consulta Nazionale sulla Proprietà Collettiva ha rinnovato gli incarichi del direttivo nazionale. È qui presente l'avvocato Marian, che salutiamo anche lui nel nuovo incarico. Ecco, detto questo, la parola al rettore. Grazie Pietro, benvenuti a tutti. Un piacere da parte mia darvi il benvenuto nella nostra, la casa della nostra università, in questo caso dentro l'edificio di economia, che è un edificio che da sempre, credo, o con qualche rarissima eccezione, ospita questo momento. Per me è un momento anche particolarmente caro dal punto di vista affettivo, non solo per la presenza del Presidente Grossi, che è un amico della nostra università, che da sempre ci aiuta, e per la presenza di tutti voi che calorosamente partecipate con grande interesse a questa iniziativa. Ma io ci riflettevo venendo qui, forse l'avrò detto anche gli anni precedenti, perché poi con l'età si tende un po' a ripetersi, che credo che sia dal 2007 che ho l'occasione di salutare in apertura questo convegno, dove l'ho fatto per i primi anni come preside dell'allora Facoltà di Economia, poi fortunosamente come credo prorettore vicario, perché casualmente in quell'occasione la rettrice non c'era, e poi nella mia veste di adesso. E quindi insomma io ho una certa continuità e mi fa molto piacere, perché questa è un'iniziativa straordinaria che insomma trova molte partecipazioni, ma dentro il nostro Ateneo è davvero un'iniziativa estremamente importante per i vari significati che ha. E in questi giorni, pensando a ciò che è successo qui nelle nostre valli, me ne sono venuti in mente alcuni in più. Ma uno importante è che questa è un'iniziativa
che il nostro Ateneo porta avanti e che da sempre trova un grandissimo consenso, e Pietro ovviamente è l'artefice di tutto questo principale, non solo, nessuno fa nulla da solo, ma sicuramente gli dobbiamo un grande grazie per come porta avanti l'iniziativa di questo centro studi, che si pone un tema che è stato prima molto trascurato e forse anche un po' dimenticato e anche dalla giurisprudenza non tanto ben trattato. Poi alcuni interventi hanno un po' cambiato il corso delle cose, senz'altro, insomma, ricordiamo tutti il famosissimo libro di Paolo Grossi, che hanno aperto la visione di un modo diverso di possedere e di gestire. Però questo, insomma, credo che sia una cosa di cui siamo molto orgogliosi, perché questa è una delle cose in cui si mettono assieme varie cose, si mette assieme varie discipline, e questo è sempre molto importante, è difficilissimo in università riuscire davvero a mettere assieme i saperi disciplinari, a farli lavorare assieme, e qui ci riusciamo. Ci riuscite, io faccio solo il benedicente, ci riuscite in modo molto proficuo, e questo è il modo in cui si affrontano i problemi e si trovano le soluzioni vere, perché i problemi non sono disciplinari, i problemi sono problemi, e quindi avere la capacità di affrontarli tenendo conto delle diverse competenze ed esperienze e capacità che diverse discipline portano è un modo molto utile e molto importante. È un bel esempio anche di... Devo dirlo che anche qui, adesso Pietro poi mi rimproverà, ma tutto questo è fatto anche con mezzi molto ridotti. Questo è un grande risultato per un rettore che è sempre assediato da richieste di mezzi, di risorse, a cui non si può certamente rinunciare a fronte dello straordinario risultati che si ottengono, e devo dire che il nostro Ateneo è anche un Ateneo che ottiene belli risultati. Il poco davvero che investiamo in questa cosa, poi Pietro aumenterà le sue richieste dopo che ho detto questa roba, ma è davvero straordinario, perché questo è un modo molto intelligente e molto bello di fare, no, conoscenza e scienza. E poi il tema che ogni anno, ogni volta diventa sempre più attuale, insomma, io questi giorni precedenti, Pietro anche ricordava alcune cose che sono capitate, ma vedendo come sul territorio trentino la risposta ai disastri che il meteo ha causato nei giorni di inizio novembre è stata una risposta straordinaria di un sistema di protezione civile che è fatto soprattutto di comunità che si prendono cura dei loro territori. Magari non in forma così organizzata e strutturata com'è la tradizione delle proprietà collettive, ma la sostanza poi è un senso di responsabilità dei cittadini rispetto alla proprietà collettiva, comunque definita, anche se fosse giuridicamente non identificata, perché è stata una risposta straordinaria. E credo che quello che ha fatto anche la differenza tra ciò che si è fatto qui in Trentino e cosa non si è riusciti a fare con la stessa velocità e con la stessa efficacia in altri territori dipenda moltissimo da questo, un senso di responsabilità rispetto alla tutela del territorio, alla condivisione anche di ciò che stava capitando, condividendone anche gli aspetti negativi, e quindi sostanzialmente un modo di essere parte della proprietà del territorio di tutti, ma prendendosene cura e attivandosi perché questo fosse gestito nel modo migliore. Io credo che questo sia un bellissimo esempio di come sia importante spiegare a chi non lo capisce, non certo i presenti qui, ma che non esiste solo un modo per essere proprietari e responsabili di una cosa, ma esistono tanti modi condivisi, collettivi, in cui si può fare e si può fare il bene. E questi sono modi molto efficaci e anche molto efficienti di rispondere a delle esigenze che altrimenti molto difficilmente la proprietà individuale o altre forme di proprietà più classiche, se posso chiamarle così, se mi perdonate il termine non tecnico, possono produrre. Quindi io credo che il lavoro che si fa qui sia un lavoro estremamente importante, perché apre nuove frontiere, anche se viene da molto lontano, mostra una prospettiva che sempre di più si dimostra attuale, importante e capace di rispondere a esigenze che altrimenti non sarebbe facile soddisfare. Io credo che questo sia un lavoro molto bello, e poi questo è un luogo dove studiosi e coloro che dello studio e della competenza poi fanno uso, si ritrovano, condividono l'esperienza,
condividono le idee e ne fanno un pensiero unico, e anche questo non è comune nei nostri, dentro le nostre mura, che riusciamo sempre a far sì che il pensiero, lo sviluppo del pensiero, lo studio diventino un qualche cosa che ha un contatto forte con ciò che davvero si deve fare e con la realtà con cui lo si deve applicare. Io anche credo che questo sia un bellissimo esempio di una cosa fatta molto bene, e quindi sono piuttosto orgoglioso che il nostro Ateneo riesca ad essere, naturalmente non il dominus unico, ma sicuramente insomma con un ruolo importante in questa iniziativa. E questo, come dicevo, senz'altro molto dobbiamo a Pietro per l'incessante lavoro, dobbiamo molto ovviamente al Presidente Rossi per la sua vigilanza sul Comitato Scientifico. Sì, il Demiurgo è lui, vero, ecco. E però anche a tutti coloro che insomma con impegno, perché questa è un'attività, anche qui direi un'attività fatta con lo spirito della proprietà collettiva, dove molti lavorano perché si sentono parte di un qualche cosa, quindi direi che c'è anche un'applicazione nel governo di questo centro e delle iniziative che il centro porta avanti, un'applicazione dell'idea di condividere collettivamente una responsabilità e di farsene carico cercando di creare dei benefici per tutti. Quindi mi sembra che questo è un modo bello. Quindi io vi ringrazio molto, devo dire che, lo dico tutti gli anni, ormai insomma, Pietro, la sala è troppo piccola per questa cosa, lo sappiamo. Quindi il successo e l'interesse che l'iniziativa desta e porta le persone a venire qui è molto bello, e quindi anche questo mi fa molto piacere, e quindi io vi ringrazio per essere anche quest'anno, molti di voi ripetutamente, o per chi è la prima volta, do il benvenuto a questa nostra iniziativa che si tiene qui a Trento, e vi auguro buon lavoro, e sono sicuro che come sempre il lavoro sarà un lavoro in cui tutti poi porteranno a casa qualche cosa di nuovo dal punto di vista della comprensione dei fenomeni di cui qui ci si occupa, ma anche di qualche cosa che possa poi guidare nella vita di tutti i giorni l'azione di chi ha la responsabilità poi di risolvere dei problemi veri, non che noi non ci occupiamo di problemi veri, ma insomma diciamo di risolvere dei problemi veri, nel senso che si devono confrontare con la realtà. Quindi grazie, vi auguro buon lavoro e complimenti ancora per il lavoro che state facendo. Grazie a tutti. Dicevo grazie al Rettore, faremo tesoro dei suoi suggerimenti, accogliamo a piacere il consenso ad avanzare la richiesta per il contributo, ma ecco, mi suggerite in pratica di ringraziare chi in diversi ruoli, in diverse maniere contribuiscono al funzionamento del centro. Grazie Rettore. La parola al Professor Quaglioni, che è nella duplice veste di componente direttivo del centro e componente della facoltà di giurisprudenza. Dopo tanti anni, qui caro Rettore, le due facoltà sono nuovamente unite su questo tavolo, se devo dire, per una condivisione non solo di portare il saluto, ma di condivisione di interesse scientifico. Quindi grazie anche al preside Cortese, che non è qui presente, ma ecco la parola al professor Quaglioni. Grazie. Porto il saluto della facoltà di giurisprudenza e del suo preside. Io sono il decano della facoltà, il più anziano, tocca a me per scelta del mio collega professor Cortese di portare a voi il saluto, al Presidente Emerito della Corte Costituzionale, a tutti i presenti, ai colleghi che sono qui per prendere la parola. Il Professor Cortese è purtroppo impegnato oggi nella Conferenza Nazionale dei Presidi di Giurisprudenza, che credo stia per eleggere il suo Presidente, e dunque è stato convocato e non ha potuto fare a meno di assentarsi, ma mi ha pregato di comunicare il suo vivo dispiacere, perché è appena entrato in carica e questa era una occasione che gli stava particolarmente a cuore. A suo nome dico che sono veramente lieto di poter portare il saluto a questa 24esima edizione della nostra giornata di studi, di questo incontro scientifico. 24esima
edizione, è un numero importante ed è un numero che sottolinea soprattutto lo spirito di cooperazione, è stato già accennato prima sia dal Rettore sia ora dal Professor Nervi, ma a me piace sottolinearlo una volta di più, perché troppo spesso anche in ambiente universitario, l'università dovrebbe essere il terreno della comunicazione e della cooperazione per eccellenza, no? La comunicazione scientifica e culturale, ma persino nell'università qualche volta lo slogan, ecco, della competizione o peggio ancora della competitività, ecco, ha invaso il nostro terreno, creando qualche equivoco. E invece la cooperazione, la collaborazione, la comunicazione sono il nostro destino naturale. E tra le due facoltà di giurisprudenza e di economia, in questi anni, anche grazie a questa iniziativa, non solo grazie a questa iniziativa, ma anche grazie a questa importante iniziativa, c'è stata grande cooperazione e continua ad esserci, e spero continuerà ad esserci, grande collaborazione e cooperazione. Poco fa, mentre salutavo il collega Raffaele Volante, amico e collega nella disciplina, sentivo da lui come è bello e come interessante essere qui per questo rituale convegno. E io mi dichiaravo d'accordo con lui. Un convegno rituale, nel senso migliore della parola, dell'aggettivo rituale, nel senso che attendiamo ogni anno di poterci incontrare per poter scambiare idee, opinioni, ricerche, e al tempo stesso pensavo che questo rituale incontro di studio in realtà non ha nulla di rituale nel senso meno nobile del termine, cioè non siamo qui per celebrare un rito, ma questo incontro rituale è una riaffermazione di un impegno, che è un impegno di carattere scientifico, di carattere culturale, ma anche di carattere morale. È un grande impegno anche di carattere morale. Ci è stato insegnato qual è il valore del nostro impegno scientifico e culturale anche su quest'altro piano. Ci è stato insegnato da un grande maestro che è Paolo Grossi, che oggi presiede questa riunione e che saluto appunto a nome della mia facoltà. Impegno di collaborazione che poi si traduce in risultati, e uno dei risultati, permettetemi di dirlo, anche se anche in questo caso faccio parte del comitato scientifico della rivista e forse dovrei astenermene, ma è appena apparso il numero 2, il fascicolo 2 del 2018 dell'archivio Scialoia Bolla, e contiene gli atti della riunione scientifica del 2017, dello scorso anno, che si aprono proprio con il discorso tenuto dal professor Grossi, un altro modo di possedere 40 anni dopo. Lo ricorderà chi era presente l'anno scorso, uno straordinario contributo. Mi permetta il mio carissimo amico e collega di dirlo, una sorta crocianamente di grande contributo alla critica di se stesso, che oggi, dopo averlo ascoltato, possiamo leggere in apertura della rivista, insieme a tanti altri contributi di colleghi in varie discipline, tra l'economia e il diritto. Cito solo Matteo Cosuli, Antonio Giannarelli, Andrea Nervi, Mauro Pennasilico, Maria Assunta Imbrenda, Achille De Nitto, Francesco Nuvoli, che è qui, Pietro Maria Catalani, Marco Geri, Friedrich Merlin, Michele Cuccaro, Claudia Di Fonzo, Francesco Musotti, Rodolfo Tajani, Giorgio Pizziolo, insomma una coralità, ecco, sul piano scientifico e culturale, che si traduce in una pubblicazione importante, che è giusto che
che circoli, ecco, in questa occasione. Dunque, ancora una volta, benvenuti a tutti coloro che convergono verso Trento per questa importante iniziativa. Buon lavoro, seguirò il lavoro per quanto mi sarà possibile e grazie naturalmente a nome della Facoltà di Giurisprudenza. Grazie al professor Quaglioni. La parola adesso al professor Bazzani, direttore del Dipartimento di Economia. Grazie Pietro, Bazzana, non Bazzani, ma è lo stesso, non è un problema. E quindi come mi ha scritto? Allora, io sono il direttore del Dipartimento di Economia e Management, è la prima volta che vi vedo e che introduco questa vostra bella iniziativa. E vi ospito in questa sala, quindi un contributo almeno dal punto di vista dell'ospitalità c'è, non ne chiedono tanti, ma questo ovviamente lo diamo ben volentieri. Avete un figlio che ha 24 anni di fatto, l'età media dei nostri laureati è quasi 25, spero che l'anno prossimo veniate qui per la laurea di questo vostro figlio e che quindi possiate presentare il 25esimo congresso in questa sede, magari vediamo di trovare anche un'aula un po' più grande, visto che di solito con i 25esimi le persone arrivano in maniera anche un po' più abbondante. E io veramente due cose soltanto per due motivi, uno perché sono reduce da 4 ore di lezione e quindi fra un po' la mia voce non riuscirò più a dire nulla e l'altro perché vedo che avete 8 interventi se non addirittura 9 interventi in questo pomeriggio per cui non voglio togliere tempo alle persone che verranno dopo di me. E due cose soltanto, citava prima Paolo i recenti disastri ambientali. Io vengo dalla Val di Fiemme, sono originario della Val di Fiemme e quindi abbiamo la magnifica comunità di Fiemme che immagino voi conosciate benissimo e io sono originario all'interno della Val di Fiemme di Predazzo, dove voi dovreste conoscere la regola feudale, che sono due delle usi civici, se mi considerate il termine, molto vicino a noi e molto vicini a me. So come lavorano le persone all'interno di queste due strutture e so che sono persone che lavorano come lavorate voi, nel senso che cercano di dare il possibile per portare avanti un bene comune, un bene della Val di Fiemme e un bene del feudo, che è quello, la montagna che è vicino a Predazzo, che riguarda la regola feudale. Quindi conosco indirettamente l'argomento e sono contento di ospitare all'interno di questa sede, ovviamente con un argomento interdisciplinare, questa vostra bella iniziativa. Non tolgo più tempo agli interventi successivi e quindi buon proseguimento di oggi e di domani per i vostri lavori e spero di rivedervi il prossimo anno per festeggiare la laurea di questo vostro bambino che avete fatto nascere 24 anni fa. Grazie di nuovo. Grazie direttore, la scusa dell'lapsus che è comprensibile nelle scritture eccetera. Siamo in perfetto orario, io ringrazio le autorità accademiche, se si fermano credo che possiamo dire qualcosa, se i compiti li portano altrove siamo sicuri che fanno i nostri interessi da quanto abbiamo anche sentito, quindi siamo per questo sicuri. Io termino il mio compito, cedendo la parola al professor Paolo Grossi per la guida della prima sessione di lavori. Grazie Presidente. Grazie a te per avermi consentito anche quest'anno di presiedere una delle sessioni di questi nostri incontri così fertili, così produttivi. Il dottor Bazzana ha ricordato una elementare verità. Sono 24 anni che ogni anno ci vediamo qui a Trento. L'anno prossimo saranno, Pietro, nozze d'argento, nella speranza che i più vecchi, che siamo io e te,
si sia ancora qui a festeggiare. È singolare il titolo che Nervi con la sua lungimiranza ha dato a questa nostra riunione: la nuova stagione degli assetti fondiari collettivi. Ecco, veramente stiamo vivendo una nuova stagione. Siamo lieti di viverla per tutto quel nuovo finalmente che arricchisce la presente stagione. L'altro anno, chiudendo, come ricordava il caro amico Diego Quaglioni, io accennai a qualcosa che si stava mutando. Una legge era prossima ad essere promulgata dal Presidente della Repubblica, ma l'avevano già approvata e quindi sostanzialmente era norma della Repubblica, sia la Camera sia il Senato. Era la legge 168 del 2017. Una legge coraggiosa, una legge che finalmente ci ripaga di tante umiliazioni, di tante persecuzioni, di tante iniquità sulle spalle di voi che avete difeso i vostri assetti fondiari collettivi con le unghie e con i denti e soprattutto con pene e sacrifici. Era una legge che parlava di, a proposito degli assetti collettivi, di ordinamenti primari di carattere originario, con al di sopra solo l'augusto testo della Costituzione. Questo era veramente un panorama finalmente nuovo, affrancato da tante iniquità, da tutte le leggi di liquidazione che si erano accumulate nell'Ottocento, nel Novecento, ultima la legge fascista del 1927. Non solo, ma oggi aumenta la nostra gioia vedendo che quel grande messaggio della legge 168, e ripetiamolo ancora, lo dobbiamo ad un grande giurista, lo dobbiamo ad un grande politico, al senatore Giorgio Pagliari, quel messaggio che svincola gli assetti fondiari collettivi dalle grinfie degli enti territoriali, ma anche dalle grinfie rapaci possibili dello Stato, è stato accolto pienamente quel messaggio anche dalla recente sentenza della Cassazione civile. E vedo giubilare qui l'amico Girgic. Si tratta di una controversia annosa che sembrava di difficile soluzione. Finalmente, grazie al messaggio della legge 168, la Cassazione civile ha ripetuto su un piano tecnico-giuridico in modo perfetto proprio quello che Pagliari aveva segnato nella legge appunto 168, cioè siamo di fronte a ordinamenti giuridici primari, originari, sudditi solo ai valori della Corte Costituzionale e della Carta Costituzionale. Ed è stato risolto l'annoso nodo di questa questione a favore delle comunelle carsiche. Quindi è un clima nuovo quello che stiamo vivendo, un clima che ci fa guardare il futuro con maggiore tranquillità, con maggiore serenità. Era ora. Mi ricordo che con un avverbio strano io esordii nel mio intervento un anno fa: finalmente. Ecco, finalmente abbiamo imboccato una strada maestra che vede il riconoscimento di una ricchezza reale del nostro popolo, questa ricchezza reale di cui voi siete i protagonisti e che è costituita proprio dai variissimi, differenziatissimi assetti fondiari collettivi della penisola. Chiudo qui questo intervento, che è un intervento di giubilo insieme a voi, e do immediatamente la parola al professor Stefano Masini, ordinario di diritto agroalimentare nella Università Tor Vergata di Roma, fedele allievo di Giovanni Galloni,
fedele amico di Giovanni Galloni anche nei lunghi anni della sua infermità e che commemorerà il suo maestro ed amico e ci fa un grande regalo nel farlo perché tutti noi siamo tributari in qualche modo a Galloni di tanti insegnamenti. Stefano, a te la parola. Vai là? Grazie professor Grossi, buongiorno, grazie Pietro per l'occasione di questo ricordo che sicuramente mi consente di guadagnare un posto immeritato accanto ad autorevoli giuristi, ma mi attribuisce anche la responsabilità, a cui non abdico, di far riaffiorare gli elementi fondanti della riflessione scientifica del professor Galloni, l'omaggio che ha reso ai canoni di correttezza, di dinamismo dell'indagine giuridica nella materia, fino a dischiudere la congeniale sintonia di veduta con i partecipanti a questo congresso in precedenti molteplici momenti di riflessione sulle proprietà collettive. Riferirsi agli istituti giuridici per Galloni significa infatti guardare alla società, al diritto innervato nelle organizzazioni sociali. Questo è congeniale al compito di cui si fa carico lo studioso, che non è mai limitato ad una ricerca superficialmente conoscitiva delle norme. Giovanni Galloni ci dice che quello che è il necessario punto di partenza per la scienza giuridica, le norme positive, non è tutto il diritto, è solo il punto di arrivo dell'ordinamento giuridico, con l'avvertenza di non trascurare quello che sta dietro e prima della norma positiva, evitando dunque il ricavo di un'immagine statica delle ricchissime manifestazioni del giuridico. Funzione essenziale del suo insegnamento è la scoperta delle regole dall'esperienza della vita, straordinaria coincidenza con l'ultima opera che ci ha consegnato il professor Grossi, dedicata all'invenzione del diritto. E per arrivarci, il mezzo più comodo è quello di osservare i fenomeni, mezzo comodo ma sicuramente difficile, perché lo scienziato, il giurista positivo in particolare, si pone lontano dai fenomeni quando è richiesta invece una doverosa fedeltà al piano scomodo, ruvido, di svolgimento dei fatti. Tra le citazioni più significative che Giovanni Galloni fa nelle sue lezioni, libro che ci è particolarmente caro, è quella di un testimone del transito del diritto fuori dalle secche del formalismo, Giuseppe Capograssi, che ci ricorda e ricorda a tutti come filosofi e giuristi possono dire quello che vogliono, risolvere il diritto in tutte le cose che vogliono e persino in una tecnica, ma gli uomini che vivono nell'esperienza concreta, costruendola penosamente con la loro azione e sono impegnati a vivere la loro vita, sentono che il diritto è la tutela della loro vita e della loro umanità. Di questa concezione che procede tra il diritto e la vita vi è traccia in un contributo minore. Qual è la recensione agli studi in onore di Enrico Bassanelli, in cui Giovanni Galloni suggerisce l'opportunità di ribaltare l'ordine della compilazione e di anticipare l'analisi che Paolo Grossi dedica alla ricerca dell'ordine giuridico medievale. La rivendicazione della centralità di quel saggio va ben al di là dell'individuazione di una partizione interna al volume. È l'oggetto della trattazione, la terra. La terra, uso ancora parole di Paolo Grossi, indominata e indominabile realtà, fonte di vita, garanzia di sopravvivenza. E per Giovanni Galloni la vicenda della terra è il tema fondamentale dal quale nasce tutta la vicenda del diritto agrario. L'appunto si traduce in una critica aperta, serrata, all'orientamento di recingere le materie storiche in confini angusti, mentre dovrebbero essere sempre comunicanti con le materie di studio e di insegnamento del diritto positivo, se non vogliamo che il diritto si isterilisca nella semplice, banale esigesi delle norme vigenti. Una ricerca dunque fondata sulla realtà, più attenta spesso alla verità che essa abbraccia
che non al rigore con cui procede, per questa via però superando l'inganno metodologico che il prestigio del volontarismo di stampo illuminista hanno lasciato in eredità a tanti di noi. Giovanni Galloni, cattolico fervente, convinto propugnatore dei principi della dottrina sociale della Chiesa, segue la lezione di Leone XIII, tradotta nella Rerum Novarum, della proprietà come diritto di natura. Non c'è ragione, troviamo scritto nell'enciclica, di ricorrere alla provvidenza dello Stato, perché l'uomo è anteriore allo Stato. Quindi, prima che si formasse il civile consorzio, egli dovette aver da natura il diritto di provvedere a se stesso. Un pensiero ereticale, avrebbe scritto poi Paolo Grossi in occasione di un intervento presso questa sede, ma senza accedere ad una più ricca apertura culturale non sarebbe dato neppure compiere il tentativo di mettere al vaglio l'atteggiamento monista che risolve il modello proprietario nello stampo romanistico. Giovanni Galloni conosce a fondo le pagine che Vidar Cesarini Sforza dedica al diritto dei privati, presupponendo la dissociabilità dei due concetti di diritto e Stato, modernamente congiunti nel pensiero dei giuristi, dato che lo Stato non crea la giuridicità, ma stabilisce a quali applicazioni di essa è disposto a prestare la sua forza per realizzarle, cosicché il diritto vive anche in rapporti che non traggono la loro giuridica esistenza dalla volontà dello Stato. Così, nell'occasione della presidenza affidata a Giovanni Galloni dei lavori della seconda riunione scientifica che questo centro studi ha dedicato all'approfondimento del tema, torna a insistere sulla scoperta del diritto espressione della vita e guarda lo spaccato della realtà mostrando i vari strati di cui essa è composta, sempre per usare le parole di Cesarini Sforza, confermando l'esito che i domini collettivi conquistino la soglia dell'esistenza giuridica, quali formazioni non sottoposte ma parallele, dice Giovanni Galloni, al diritto statale. Essenziale è il ricordato rinvio di Giovanni Galloni all'anteriorità della persona, ricavato dagli studi rosminiani, riassunto dalle posizioni più recenti dei cattolici francesi, riproposto da Dossetti nel dibattito alla Costituente sui principi fondamentali. Tra l'altro il concetto che più di tutti lega Giovanni Galloni con Aldo Moro, di cui ha ben presenti le lezioni di filosofia del diritto, rivolte a presentare come dato irrinunciabile il problema della vita. Per questo un altro aspetto fondamentale degli studi del professore è legato alla rappresentazione del diritto come fenomeno unitario, lasciando intendere che le partizioni interne assumono soltanto un'utilità didattica. Il rilievo vale a segnalare la scissione tra diritto privato e diritto pubblico, che a prima vista si impone come questione di sostanza nella disciplina dei rapporti tra Stato e cittadini, ma poi dobbiamo rifuggire da questa partizione finta, una finzione, nello svolgersi dei rapporti di produzione in agricoltura. Quando è lo Stato ad occuparsi dei bisogni economici e sociali ed occorre manifestare la capacità di ricondurre entro le linee generali e comuni le problematiche attinenti tanto alla persona quanto alla comunità. E questo spiega perché tra le pagine più interessanti e affascinanti di Giovanni Galloni vi sia la trattazione delle questioni del periodo costituente del diritto agrario, assai agile e veloce a maturare soluzioni congeniali, a conciliare la stabilità dei rapporti, a ridurre l'incidenza delle contraddizioni aperte dalle forze in campo. Egli prende distanza con riguardo al processo interpretativo da una concezione angustamente lontana dall'esperienza. La vita concreta degli operatori economici non si svolge nella pura idealità, ma risente della variabilità delle condizioni individuali e collettive, dell'evolversi storico dei fatti concreti, delle diverse influenze economiche, del prepotente succedersi delle percezioni sociali. Il debito che deve manifestarsi verso l'insegnamento di Galloni è riposto dunque nell'aver mostrato come il diritto non possa pensarsi come un frammento separato dalla materia studiata, ma come opportunità
per valutarne il progresso ricostruttivo alla luce della storicizzazione della sua forza. E non è difficile convincersi che le norme chiamate a regolare i rapporti produttivi, soprattutto nella nostra materia, sono seguite se risultano funzionali ai problemi dell'esperienza, mentre restano segnate dall'originale manifestazione di arbitrio del legislatore se si discostano dalla soddisfazione del bisogno per cui nascono. Le leggi citate nei secoli passati dal professor Grossi a proposito del tema oggetto di questo dibattito lo dimostrano perfettamente. Quindi non c'è alcuna sorpresa nel leggere l'annuncio dell'impegno di Galloni verso i lettori della rivista Giurisprudenza Agraria Italiana, nel proporsi un compito che nell'aderenza ai principi e alle regole del metodo scientifico tende a immettersi direttamente nella ricerca e nell'esperienza del diritto come vive, più che nella scuola o nell'accademia, nella realtà pratica della sua applicazione e della sua interpretazione forense, nella quotidiana lotta per la giustizia così carica di contraddizioni. Un punto di osservazione che potremmo dire deformato dall'accentuata capacità dei fatti di sopraffare l'involucro formale e pertanto privilegio dell'agrarista attento a sorprendere una società impegnata a produrre in modo plurale diritto. Cito ad effetto Paolo Grossi e non a caso, perché questo ricavo dalla lettura rivela una isolante coincidenza nella durissima critica condivisa tanto da Galloni quanto da Grossi contro la sostanziale indifferenza della scienza civilistica italiana, anche ai nostri giorni, ad attingere alla fattualità per colmare le lacune del diritto, trovandosi prigioniera della formula dell'articolo 12 delle disposizioni preliminari del Codice Civile, che fanno capo ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Su questo terreno sono e sono state rare le voci di giuristi che hanno dichiarato l'imbarazzo verso la discontinuità dell'originaria disposizione sull'interpretazione con l'evoluzione dell'ordinamento costituzionale, nel segno del distacco dell'esaltazione totalitaria del contributo statale alla produzione giuridica e del sostegno invece all'esperienza costruttiva della prassi per il superamento delle fratture tra diritto e realtà che in chiave ermeneutica sono suscitate dai fatti della vita concreta. Giovanni Galloni ha combattuto in prima linea quell'immensa spersonalizzazione di tutto il mondo della vita concreta che aveva indotto Giuseppe Capograssi a raccogliere l'esigenza di riforma dell'ideologia totalitaria in un noto scritto degli anni 50 del secolo trascorso, Il diritto contro la catastrofe. Perciò si mette sul lato opposto del campo per piegare ogni rapporto che la dinamica dell'esperienza propone ad una tavola di valori, ad una scala di fini costituzionalmente ordinati, ad una regolamentazione adeguata alle aspettative di convivenza. Giovanni Galloni, oltre che essere un maestro del diritto, è anche un autorevole politico e nel numero di apertura della sua rivista Nuova Fase, Quaderni di Cultura e di Politica Sociale, primo numero del marzo 1994, riallacciandosi ai principi della rivoluzione, sia pure con un certo distacco della rivoluzione francese, scrive: il moto di allargamento necessario per riconoscere assieme alla libertà anche l'uguaglianza e la fratellanza può avvenire solo attraverso una scelta antropologica che, pur avendo come base l'individuo con i suoi diritti, i suoi poteri, lo colga sotto il profilo della persona nella sua spinta alla costruzione della società, anzi, di una società sempre più ampia, tendente a superare ogni forma di egoismo, con l'unione di tutti i suoi componenti verso un fine costruttivo comune, evocando forse anche Giuseppe Capograssi. Ancora una volta, non è irrilevante soffermarsi su questi aspetti del pensiero politico di Galloni, perché altrimenti resta difficile capire fino in fondo l'indirizzo che ha tracciato lo sviluppo del diritto agrario moderno, la cui dimensione, scrive,
respinge sempre fondamentalmente un rilievo del singolo, per far emergere invece un ordine nel quale si risolve il collettivo, sia nella concezione della proprietà, sia nella concezione dell'impresa, sia nella concezione del mercato. Dunque lo stesso concetto di impresa va costruito come un ordinamento giuridico avente una sua autonomia e all'impresa come società intermedia comune a tutti i partecipi, sia chi la indirizza, sia chi lavora in essa, l'autore dedica pagine dense lungo l'intero itinerario della sua produzione scientifica e al diritto dell'impresa dedica la costruzione del diritto agrario. Facile pertanto diventa anche il riconoscimento dello speciale profilo di impresa riferito alla gestione da parte delle comunità delle proprietà di interesse collettivo, come si legge nella presentazione dell'archivio Sciaroia Bolla, i cui risultati comprendono, dice Galloni, non solo la generazione presente sul territorio, ma anche le generazioni future, tendendo ad uno sviluppo rurale capace di accrescere oltre alla qualità dei prodotti, la qualità della vita. L'indagine di Galloni si spinge sempre più a fondo, pronta a cogliere l'emersione di problemi nuovi, non familiari all'apporto costruttivo dei giuristi di impronta positivista. Il tema esplorato via via è quello che invita a ridefinire più in generale gli obiettivi della produzione, ad abbracciare le istanze di carattere ambientale posto dallo sviluppo di pratiche culturali in grado di incorporare avanzamenti tecnologici non immaginabili in precedenza, oltre che dalla formazione di una diffusa sensibilità per un penetrante controllo dei limiti e la valutazione esatta dei rischi. Viene rivendicata anche in questa fase una significativa rilettura della Costituzione, richiamando l'articolo 44 della Costituzione, espressione dei valori della società moderna. Galloni anticipa l'esito di un ciclo storico nuovo di ripresa dell'agricoltura, in una dimensione territoriale, in grado di garantire l'ecosistema, prevenire i danni dall'inquinamento, in modo da rendere più vivibile la vita dell'uomo e della natura sul pianeta, come scrive negli appunti introduttivi al diritto agrario ambientale nell'anno accademico 1994. Venuti a nudo i limiti dello sfruttamento dei beni nell'esclusivo interesse del titolare, maturata la consapevolezza di sottrarre i beni comuni da una funzione secondo regole di razionalità efficientistica, si supera il vecchio concetto dell'agricoltura, che è la struttura economica che viene assunta, e l'assistenzialismo stesso dedicato al settore. Si può pensare così, guardando all'esperienza delle proprietà collettive, come sia l'agricoltura a richiedere tutti gli sforzi necessari per il sostegno a progetti di sviluppo economico ad una categoria di imprese, scrive ancora in un intervento già citato in questo congresso, imprese cui possiamo chiedere di produrre di meno, di produrre meno intensivamente perché si inquini di meno, ma nel frattempo a questo sacrificio deve corrispondere un aiuto da parte dell'intera collettività, perché forniscono utilità, perché mantenendo le popolazioni nelle montagne, nelle colline, nelle zone verdi, si opera nella strategia della manutenzione dell'ambiente, detto tanti anni fa. Aspetti che investono la collettività, e sto per finire, ma concernono anche la responsabilità dell'imprenditore, singolo o collettivo, non più giuridicamente indifferente all'apprezzamento dei bisogni vitali che maturano nella società. Chi scrive di diritto agrario, questa è la coerenza, è la continuità scientifica dell'apporto di Giovanni Galloni al pensiero giuridico, non è soltanto uno zelante annotatore capace di risolvere i problemi di interpretazione e di colmare le lacune disciplinari, ma colui che si presta continuamente a rinnovare la ricerca della libertà, a dispiegare ogni tecnica utile alla promozione della realtà personalistica e comunitaria, secondo un'ispirazione che considera l'uomo interessato sia alla gestione dei beni e al perseguimento di finalità economiche, quanto sostenuto dalla ricerca di valori etici e spirituali. Grazie.
Ringrazio Stefano Masini che ha fatto rivivere in mezzo a noi stasera Giovanni Galloni, il suo pensiero, il suo messaggio giuridico, tanto valevole anche per gli assetti fondiari e collettivi che ci stanno particolarmente a cuore. A questo punto ho l'onore di invitare a tenere la sua relazione il professor François Host, professeur de droit et de philosophie de droit, vice-recteur dell'Université Saint-Louis de Bruxelles. Il tema suo sarà le bien commun, faire ensemble plutôt que posséder seul, i beni comuni, fare insieme piuttosto che possedere da soli. A voi la parola. C'est un honneur de prendre la parole ici à Trento sous la présidence d'une autorité comme le professeur Paolo Grossi. Merci. Merci aussi au professeur Nervi pour cette invitation qui m'honore. Et merci au professeur Vincenzo Ferrari à qui je pense je dois cette invitation. Merci aussi à l'équipe des traducteurs avec qui j'ai déjà eu l'occasion de m'entretenir. Je pense que la traduction est quelque chose de très important dans le monde pluraliste qui est le nôtre. J'ai déjà eu l'occasion d'écrire un livre de philosophie de la traduction où j'expliquais le rôle indispensable des traducteurs dans le monde pluraliste qui est le nôtre. Un rôle qui va bien au-delà du passage des mots, c'est aussi le passage des idées et le passage des cultures. Et on pourrait aussi réfléchir au commun linguistique. Je pense qu'il y a un mauvais commun linguistique, ce serait le fantasme de la tour de Babel, où nous parlerions tous la même langue, quelque chose comme un globish par exemple. Le bon commun, en revanche, c'est de nous enrichir mutuellement de nos diversités linguistiques, et de ce point de vue-là, les traducteurs sont d'irremplaçables passeurs. Deux plans relatifs à ma communication se trouvent dans la farde de documentation que vous avez reçue. Je vous invite à vous y reporter. Alors, je prends ma montre réflexe de professeur pour tenir l'horaire qui m'est imparti. Le titre de ma communication vous a déjà été expliqué. Les communs, faire ensemble plutôt que posséder seul. No commons without communing. La référence aux communs rassemble non seulement des expériences passées et actuelles, local et global, matériel et immatériel, mais aussi une palette fort diversifiée d'acteurs, zapatistes, hackers, peuples autochtones, paysans, indiens et sud-américains, agriculteurs urbains, peuples autochtones, agriculteurs urbains, oui, altermondialistes, écologistes, agri-squatteurs. Plus qu'un paradigme au sens de Thomas Kuhn, c'est donc d'un mouvement qu'il s'agit, d'une révolution silencieuse qui rassemble des luttes diverses sous un même dénominateur général. Un ouvrage comme « The Wealth of the Commons » montre bien la variété d'expériences et d'actions collectives que ce mouvement peut embrasser, ainsi que les différentes perspectives disciplinaires sociologique, économique, historique, juridique, ethnologique, à partir desquels ce mouvement peut être compris. Je voudrais partir de quelques considérations économiques, même si l'économie n'est pas ma discipline. J'emprunte ces propos au professeur Ekeland qui dit ceci. Il y a quatre types de biens, les biens privés qui sont rivaux et exclusifs,
pour lesquels le marché est le mode de distribution le plus efficace. Et puis trois autres types de biens, club, commun et public, que la théorie néoclassique a beaucoup de mal à appréhender. Cette théorie néoclassique a donc tendance à proposer une privatisation de ces biens, de manière à ce que ceux-ci soient gérés par le marché. Pourtant, fait remarquer l'auteur, les sociétés humaines ont développé d'autres modes de gestion des communs qui sont basés non sur la propriété, mais sur l'usage, le partage, la participation. Cette classification que je viens de rappeler repose donc sur deux distinctions. Les biens sont rivaux ou non rivaux du point de vue de la science économique. Un bien est rival s'il ne peut être consommé que par une personne à la fois. Il est non rival dans le cas contraire. Ici, on le voit, le critère de distinction est déterminé par une qualité, une nécessité naturelle. Encore que, comme on le verra, cette qualité de naturelle peut elle-même être discutée. Et puis, deuxièmement, les biens sont exclusifs ou non exclusifs. Exclusifs si on peut empêcher certaines personnes de le consommer ou même d'y avoir accès. Ici, le critère de distinction est déterminé par une décision politique, une convention, une norme. En application de cette distinction, il est possible d'établir une grille comprenant quatre catégories de biens. Les biens privés qui sont rivaux et exclusifs, les communs qui sont rivaux et non exclusifs, les biens de club qui sont non rivaux et exclusifs, et enfin les biens publics qui sont non rivaux et non exclusifs. À noter cependant que cette frontière entre cette catégorie peut être floue et se déplacer avec le temps. Ainsi, par exemple, le climat, qui était un bien public, tant que l'activité humaine ne l'avait pas impacté comme aujourd'hui, le climat est en train de devenir un bien commun depuis, notamment, la révolution industrielle et agricole. Par ailleurs, cette classification est relative. La rivière est un bien privé pour certains usages, le mouillage ou un moulin, par exemple. Elle est un bien public pour d'autres usages, comme la navigation, un bien de club pour d'autres usages encore, comme une société de pêche, par exemple, et finalement aussi un bien commun en ce qui concerne la qualité de l'eau. Si l'on s'accorde sur ce tableau, et en étant conscience des différences terminologiques entre l'approche économique et l'approche juridique dont je parlerai tout à l'heure, alors il est nécessaire de constater plusieurs évolutions essentielles au cours des dernières décennies. Ces évolutions combinent des mouvements physiques ou naturels, les ressources sont-elles oui ou non en train de se raréfier, combinent cela avec des décisions normatives, oui ou non, ouvre-t-on l'accès aux ressources. À cet égard, à propos de ces évolutions, je voudrais d'emblée noter trois points. Premier point, en ce qui concerne les ressources informationnelles, donc l'information, la science, le savoir, la culture, qui relèvent traditionnellement de la position numéro 4, eh bien, nous assistons à une expansion formidable de leur domaine en raison du développement des possibilités techniques de communication et du stockage des informations, et aussi, bien sûr, en raison du développement exponentiel des savoirs. Donc, cette position numéro 4, bien public, connaît ou peut connaître virtuellement une expansion considérable. Deuxième observation. Sur le plan maintenant des ressources naturelles, je constate au contraire une profonde raréfaction et détérioration de celle-ci, relevant de ce qu'on peut appeler la crise écologique. Ceci entraîne un mouvement général des positions 3 et 4 vers les positions 1 et 2. Les ressources naturelles, qui hier étaient abondantes et, pensait-on, illimitées, deviennent aujourd'hui plus rares et donc rivales. Troisième observation. On peut noter un fort mouvement de privatisation ou d'aspiration vers la position, cette fois-ci, numéro 1,
y compris pour les espaces et les ressources qui relèvent traditionnellement de la propriété publique et de la gestion par les pouvoirs publics. Le mouvement n'épargne pas non plus les ressources informationnelles. L'accès aux ressources devenues plus rares ou plus précaires, en ce qui concerne les ressources naturelles, ou même très abondantes comme les ressources informationnelles, tente à faire l'objet d'un exclusivisme, d'un monopole, d'une appropriation croissante. On peut y voir notamment un effet du capitalisme de marché et de la théorie économique néoclassique qui l'anime, qui le légitime, qui ont toujours eu beaucoup de mal à appréhender les biens publics et les biens communs et cherchent toujours à les ramener dans l'orbite des biens privés et des biens du marché, censé en produire l'allocation optimale. Le mouvement en faveur des communs ne peut se comprendre que sur fond de ces évolutions et de ces fortes tensions qu'elles engendrent. Sans vouloir chercher à être exhaustif ou systématique, je voudrais commencer dans une première partie plus descriptive par identifier 6 exemples, 6 manifestations significatives de ce mouvement. Mais j'attire d'emblée l'attention sur un point essentiel. Je dis ce qui, dans chaque cas, fait l'originalité du commun en formation, ce sont 2 éléments. D'une part, l'émergence d'un tiers, acteur entre l'État et la personne privée, ou entre l'État et le marché, et d'autre part, un ensemble de pratiques de commoning ou de gestion en commun des ressources concernées. C'est, rappelez-vous, le titre de ma communication. Premier exemple, il concerne les ressources informationnelles et je parle du mouvement Open Data et Open Science. Une des premières et des plus emblématiques manifestations du mouvement des Commons est la réaction de résistance des informaticiens et des internautes à l'appropriation de l'information, des savoirs et des cultures par les mécanismes privatifs du droit de la propriété intellectuelle, notamment les brevets et les droits d'auteur. Même si, pour les juristes, l'information est en tant que telle un bien commun, bien public au sens numéro 4 des économistes, qu'elle est non rivale, non exclusive et cumulative, et que donc par principe elle est censée circuler librement et d'être d'accès libre, en réalité, les possibilités de son appropriation privative et exclusive ne font que s'élargir en portant toujours sur de nouveaux objets et aussi de se renforcer. Ces protections sont notamment plus étendues dans le temps et font l'objet de contrôles plus efficaces. Donc, le prétendu domaine public des œuvres de l'esprit apparaît plutôt comme un résidu face donc à ce mouvement d'appropriation privative de ces ressources informationnelles. C'est contre elle qu'entendent opérer le mouvement des open software et des scientifiques de l'open science, avec des réalisations bien connues comme Wikipédia ou encore les Creative Commons, les revues scientifiques en open access et bien d'autres initiatives encore, qui montrent que l'ouverture, l'accès libre et la mise en commun des biens informationnels stimulent une productivité, stimulent une créativité collaborative exceptionnelle. Tous bénéficient de l'apport collaboratif et donc non compétitif des pairs. Mon deuxième exemple, mon deuxième domaine dans lequel se développe la tension entre privatisation et, si on peut dire, communalisation, est celui du milieu naturel au sens le plus large, comprenant l'air, l'eau, le climat, les grands fonds marins, la biodiversité, les gènes. On l'a vu, la pression engendrée par les crises écologiques a pour effet d'exacerber la tension entre ces deux mouvements. Ces ressources qui étaient jadis publiques se raréfient et deviennent donc aujourd'hui rivales. C'est ce qui explique que depuis quelques décennies s'affirme un mouvement visant à soustraire ces ressources au marché
en leur conférant le statut de patrimoine commun. Traditionnellement, cet état de fait se traduisait par la catégorie de choses communes au sens juridique, les res communes. Dans l'article 714 du Code civil français et belge, on en parle en disant « Il est des choses communes qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. » Mais cette qualification « n'appartenir à personne » aujourd'hui a montré ses limites en suscitant, ou en tout cas en n'empêchant pas, un mouvement irrépressible d'appropriation au moins partielle et d'usage négligent de ces ressources communes, sans que les autorités publiques n'aient vraiment réussi ou même voulu en réduire les effets négatifs. Si le public, comme le privé, échoue à protéger et transmettre ces choses naturelles communes, se dessine alors une troisième voie, celle du collectif, gardien de ces ressources, dont il faudrait plutôt dire, en reformulant cet article 714 du Code civil français ou belge, dont il faudrait plutôt dire qu'elles appartiennent à tous et que leur protection est une responsabilité qui incombe à chacun. Mais alors, me direz-vous, se pose la question de savoir quel est le tiers titulaire de ce patrimoine commun. Autrement dit, commun pour qui ? Ici, les réponses sont nombreuses. Il peut d'abord s'agir de la communauté nationale, par la désignation d'un patrimoine commun de la nation. Par exemple, en droit de l'environnement français, le territoire, les paysages, les sites sont qualifiés de patrimoine commun de la nation. Il peut aussi s'agir, dans certains cas, de patrimoine européen, communauté européenne, en résultat de certaines décisions de la Cour de justice de Luxembourg, par exemple pour des espèces animales menacées. Troisième possibilité, il peut s'agir de l'humanité, avec un grand H, lorsque nous parlons de patrimoine commun de l'humanité. En vertu du droit international public aujourd'hui, la Lune, les corps célestes, les grands fonds marins bénéficient de cette qualification patrimoine commun de l'humanité. Il en va aussi en ce qui concerne le patrimoine culturel, qualifié de mondial, du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO que les États, la communauté internationale s'engage à protéger. Dans certains cas, le droit international utilise une terminologie moins avancée mais qui s'inspire de la même idée. Par exemple, des textes qualifient aujourd'hui le climat et la biodiversité en disant qu'ils sont l'objet d'une préoccupation commune de l'humanité. Autre exemple, le sixième continent, l'Antarctique, dont les textes nous disent aujourd'hui qu'il est préservé dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Dernier exemple, le génome humain est qualifié par une déclaration de l'UNESCO de patrimoine commun de l'humanité dans un sens symbolique. C'était mon deuxième exemple. Troisième exemple de montée en puissance des communs, je dis en marge de cette approche globalisante, approche macro, qui entend saisir les milieux naturels dans leur globalité. Le mouvement de communalisation s'applique aussi à de très nombreux espaces plus locaux et à des ressources plus réduites. On pense tout d'abord au pool commun de ressources qu'a analysé avec le succès qu'on sait Elinor Ostrom, qui obtiendra, comme vous savez, le prix Nobel d'économie pour ses travaux. À l'encontre du fatalisme inhérent à la fable de la tragédie des communs, Elinor Ostrom documente de nombreux cas d'autogestion de pools de ressources naturelles, des pêcheries, des systèmes d'irrigation, des forêts. Autogestion par des collectivités bien déterminées de professionnels. Si pour Hardin, la tragédie, vous savez l'auteur de cette fameuse pseudo-fable de la tragédie des communs, si pour Hardin la tragédie de l'épuisement des ressources ne pouvait être évitée que par un régime de propriété privée ou au contraire une tutelle quasi-dictatoriale de l'État,
Eh bien, Elinor Ostrom a montré que c'était faux, et elle montrait que des individus confrontés à des situations réelles d'usage de ressources communes peuvent au contraire très bien, sinon mieux, répondre ensemble aux défis posés par cette situation, la gestion, par exemple, du poisson qui devient rare dans une zone de pêche déterminée, et ce, en se passant autant de l'État que du marché. Elle montre que l'auto-organisation et l'auto-régulation participative donc permettent d'aboutir à des résultats satisfaisants. En découle le constat que tout commons est le produit d'une action collective, d'un faire commun, et de là le sous-titre de ma communication « No commons without communing », une action collective. Quatrième exemple. En marge de ces exemples étudiés par Ostrom, il faut noter aussi, et je pense qu'on va beaucoup en parler au cours de ce colloque, il faut noter aussi une vaste nébuleuse de pratiques communales, traditionnelles et diffuses, qui peuvent s'étendre aux simples usagers des commons qu'on a qualifiés de communaux résurgents, au sens où ils ressuscitent, au sens où ils font revivre des pratiques très anciennes, restées invisibles et pratiquées en quelque sorte en sourdine, à l'encontre du rouleau compresseur de la modernité libérale et des mécanismes de marché. Je pense par exemple à des formes de coopération dans les villages alpins pour le coupage du bois, en passant par les ejidos du Mexique, pour en arriver à toutes sortes de formes d'organisation communautaire pour l'usage des terres et d'infrastructures subsistant sous et malgré une couche de droit étatique, de droit positif, de droit formel en vigueur, importé notamment dans les pays anciennement colonisés, importé par les métropoles étrangères. C'est un point qui est bien connu du droit comparé et de l'anthropologie juridique, qui s'intéresse particulièrement, dans l'étude de sociétés africaines ou d'Amérique du Sud, à l'enchevêtrement de ces figures juridiques, les unes découlant des usages ancestraux de type coutumier et d'autres découlant du droit du colonisateur. Dans cette ligne, je dégage un cinquième exemple. Je parle alors des revendications de leurs territoires ancestraux et de leurs ressources naturelles et culturelles par les peuples indigènes, les native people. D'emblée identifiés comme acteurs collectifs, à l'encontre de la dichotomie du marché et de l'État, ces groupes tribaux ont réussi à se faire reconnaître comme sujets collectifs dans des termes, dans des textes de droit national et international, notamment pour ce qui concerne des liens à l'égard de leurs territoires ancestraux. Et comme vous le savez, ce sont des liens qui sont pas seulement des liens pratiques d'utilisation ou de consommation, mais ce sont aussi des liens spirituels qui définissent vraiment le vivre ensemble, un mode de vivre dialectique, en interaction véritablement avec ces êtres non humains qui font leur environnement. C'est un thème très nouveau qui reçoit aujourd'hui des échos très significatifs et dont la pointe avancée est représentée par ce qu'on appelle aujourd'hui l'attribution de la personnalité juridique à la nature ou à ses différents éléments. La Constitution de l'Équateur a ouvert la voie en 2008 en attribuant à la nature, Pachamama, un certain nombre de droits. Et puis d'autres pays d'Amérique du Sud, comme la Bolivie, ont suivi le chemin. Aujourd'hui, nous avons des décisions judiciaires qui accordent la personnalité juridique à des fleuves, en Inde par exemple, en ce qui concerne le Gange, ou alors ce sont des lois qui accordent la personnalité juridique à des fleuves. L'exemple néo-zélandais d'une loi de 2017 est bien connu à cet égard. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer le lien entre la personnalité juridique attribuée ainsi à la nature et ce qui me paraît finalement plus intéressant et plus sérieux, ce sont les pratiques de commoning des groupes humains qui portent ces revendications.
Je pense que le thème de la personnalisation de la nature n'est crédible que dans la mesure où il est véritablement porté, comme c'est le cas en Nouvelle-Zélande avec les Maoris, par des pratiques qui sont des pratiques historiques très anciennes, d'usage modéré de ces ressources naturelles par les populations locales. Finalement, j'ai un sixième exemple qui concerne l'Italie, et je parle évidemment sous votre contrôle. C'est la commission Rodotà. Sur fond d'une certaine faillite des pouvoirs publics dans la gestion et donc aussi dans la protection et la transmission des biens réellement communs confiés à leur garde, sur ce fond-là a été mis en place, comme vous savez, par l'administration Prodi en 2007, une commission Rodotà en vue de modifier la partie du Code civil concernant la propriété publique. Comme vous le savez, la commission a rendu son rapport en avril 2008, alors que le gouvernement était démissionnaire. Mais entre-temps, le travail était fait. Définition de la notion juridique de bien commun, je cite, « À côté de la propriété privée et de la propriété publique, les biens communs sont les choses qui font partie de l'exercice des droits fondamentaux et de la liberté des humains et qui, à ce titre, doivent être protégés pour les générations futures. » Élaboré en réaction au processus grandissant de privatisation des biens et services publics, et ce à partir d'une réflexion sur la fonction sociale de la propriété en rapport avec les droits fondamentaux, ces textes n'ont malheureusement pas été traduits en droit positif en raison de la démission du gouvernement, mais ils font leur travail en doctrine. Le droit progresse aussi de façon plus lente, mais importante sur le plan symbolique par le travail de la doctrine et les relais qu'il reçoit dans la pratique. Et justement, on peut faire allusion à cet égard à des pratiques comme celles que mènent des juristes italiens comme Alberto Lucarelli et Ugo Mattei, notamment, si je lis bien, mais je parle sous votre contrôle, une des idées intéressantes mises en avant par Lucarelli consiste à viser le dépassement du droit public social vers un droit public participatif basé sur la participation autodéterminée, informée et formée des usagers, où l'administration entre en dialogue avec les associations, les mouvements divers, sans pour autant, et c'est important de le souligner aussi, sans pour autant abandonner ses propres responsabilités. Comme vous le voyez, au terme de ce rapide survol empirique, la montée en puissance des communs se traduit aujourd'hui sous des formes diverses, à des échelles temporelles et spatiales multiples. Néanmoins, je suis à la page 13, néanmoins, deux points communs essentiels caractérisent ces expériences. D'abord, premier point, la montée en puissance d'un tiers acteur entre l'État et la personne privée. Je rappelle, c'était la communauté des informaticiens et des internautes ou des scientifiques en ce qui concerne les biens informationnels. C'était le grand sujet collectif, l'humanité, la nation, titulaire du patrimoine commun. C'était les communautés plus restreintes des professionnels, des pêcheurs, des éleveurs, des agriculteurs, autogérant les poules de ressources d'Elinor Ostrom. C'était les petites communautés urbaines ou villageoises des communs résurgents. C'était les tribus et les peuples autochtones qui revendiquaient leurs territoires ancestraux. Ou encore, ce sont les usagers jouissant et gérant ensemble les biens communs visés par la commission Rodotà. Donc, premier point, le tiers acteur. Deuxième point, l'importance des pratiques qui donnent consistance à ces communs. Nous touchons ici l'essentiel. Les communs se définissent moins par une relation d'appartenance à un bien que par une dynamique d'action entre les personnes. C'est la position qu'adoptent les philosophes français Dardot et Laval dans un livre remarqué sur la révolution des communs, puisque ces deux auteurs insistent sur ce qu'ils appellent le principe du commun qui est à la source ou à l'origine des communs. Comment définissent-ils ce principe du commun? Eh bien, il s'agit d'une volonté auto-instituante. Pour les philosophes parmi vous, il y a la référence à la philosophie de
Cornelius Castoriadis derrière cette idée d'auto-institution. Donc c'est une volonté de vivre ensemble, d'auto-gouvernement. Je les cite encore. Ce qui importe avant tout, c'est la dimension de l'activité instituante, et non les caractéristiques techniques des choses ou des biens. Les communs ne peuvent être institués que par la mise en œuvre du principe du commun. C'était quelques considérations relatives à, inspirées par la classification économique. Alors je me souviens aussi que je suis juriste et donc maintenant je mets ma casquette juridique et je vous propose de compléter cette réflexion par quelques observations de type juridique. Et c'est le second tableau qui se trouve au recto, enfin au verso de la feuille que vous avez. Je donne un second tableau qui ne doit pas être considéré comme le décalque ou la traduction du tableau précédent. Vous voyez que ce tableau distingue une zone de commun, les positions 1 et 2, et une zone qu'on peut appeler d'anti-commun, les positions 3 et 4. La zone 1 et 2 se caractérise globalement par une logique de partage et de participation, tandis que dans les positions 3 et 4, on a affaire à une maîtrise, une appartenance maîtrise, beaucoup moins caractérisée par ces idées de partage et de participation. En application de cette grille, je peux donc dessiner quatre positions. La plus classique, et je n'en parlerai pas ici, est le modèle propriétaire, la position numéro 3, qui est à la fois exclusif, non partageant et non participant. Tout aussi classique est la figure 4 qui recouvre la propriété publique, objet de la souveraineté de l'État ou de l'une ou l'autre autorité publique. Cette figure est cependant un peu paradoxale, puisque d'une part, elle représente un degré élevé d'inclusion en tant que propriété ou domaine public, mais en même temps, cette souveraineté étatique traduit un degré faible ou très faible de participation et de partage, finalement pas si éloigné de l'appartenance maîtrise que le propriétaire privé exerce sur son bien. Donc c'était la position numéro 3. Vous aurez compris que mon intérêt d'aujourd'hui se focalise sur les figures 1 et 2 qui sont plus originales et qui traduisent, selon moi, diverses variétés de communs. Je qualifie la figure numéro 1 à l'aide d'un néologisme. Je serais curieux de savoir comment vous allez traduire en italien, mais en français c'est « transpropriation », pour viser des relations aux ressources et aux espaces marqués à la fois par un niveau élevé de participation et de partage, et en même temps, paradoxalement, par un certain degré de fermeture, on est dans le gradualisme, un certain degré de fermeture de la communauté concernée. Ce paradoxe, on peut le noter, est l'inverse de celui qui caractérise la figure 4, qui est la plus éloignée dans ma grille. Ce modèle de transpropriation s'applique de préférence aux ressources matérielles, dont l'usage est rival, car facteur d'épuisement, et dont la quantité autant que la qualité sont aujourd'hui devenues problématiques. Ce régime de transpropriation n'abolit pas vraiment la propriété privée, pas plus d'ailleurs que la domanialité publique, mais entend les dépasser, les finaliser, les transcender en leur imposant des charges ou des démembrements au profit de la collectivité. Une collectivité qu'on pourrait qualifier à la suite de Judith Rochfeld de communauté diffuse. Diffuse, mais pas universelle. Une communauté diffuse d'ayants droit, pas nécessairement identifiés, mais de gens qui peuvent prétendre à un accès et un usage légitime de la ressource. J'y reviens dans quelques instants. Enfin, la figure 4 traduit à la fois un maximum d'inclusion et le degré le plus élevé de partage et de participation, en opposition la plus forte cette fois avec la figure 1, celle de la propriété privée, qui est à la fois, comme on l'a vu, exclusive, non participante et non partageante. Ici encore, je fais usage d'un néologisme en français et je parle de dépropriation. Elle s'applique pour l'essentiel aux ressources informationnelles, dont on a vu tout à l'heure qu'elles étaient en voie d'illimitation.
Et peut-être qu'ici, on redécouvre l'ancienne figure classique des res communes de l'article 714 dont je parlais tout à l'heure. Ici, c'est la dimension ou c'est la logique d'inclusion qui prévaut absolument. Aussi, la communauté visée est-elle cette fois négative, au sens où personne n'en est exclu. À la différence aussi des communautés positives qui instituent une propriété collective, dans le cas de la dépropriation, c'est de l'idée même de propriété dont on entend progressivement s'affranchir. Alors, avant de détailler un petit peu ces deux figures, et tout en gardant, Monsieur le Président, la montre en vue, je voudrais faire deux mises en garde. Première mise en garde, pour nous inviter à nous affranchir, nous libérer de ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire ou le fantasme propriétaire lorsque l'on pense toute cette problématique des communs. Ces communs, en effet, ne sont pas de la propriété inversée. Je veux dire une maîtrise absolue, toujours au profit de tous, une absence totale d'appropriation. Ils sont bien plutôt souvent un faire ensemble définissant une communauté donnée. Il doit être possible, je pense, de construire un régime des communs, au moins en partie à l'abri de cette fascination que pourrait exercer encore dans nos esprits le modèle propriétaire, même au moment où on voudrait s'en détacher. Ainsi, par exemple, un auteur a pu écrire que l'intérêt de la notion de commun, je cite, est de rassembler autour d'une cause légitime, et j'en ai donné des exemples tout à l'heure, des détenteurs de droits divers, ayant chacun des utilités différentes et non nécessairement concurrentes du même bien ou du même patrimoine. Et un autre auteur qui s'appelle Benjamin Coria, qui avait coordonné un livre intitulé en français « Le retour des communs », un autre auteur écrit « Un thème majeur de cet ouvrage est de montrer comment le propre des communs est qu'ils sont construits non pas sur une négation du droit de propriété, mais au contraire sur d'autres définitions de la notion de propriété, qui rompant avec la conception exclusiviste de la propriété héritée du droit bourgeois, rendent possible et effectif quelque chose comme la propriété partagée. » Mon deuxième avertissement, qui traverse comme un fil rouge ma contribution, consiste à rappeler la nécessité de nous garder de toute forme d'idéalisme ou d'angélisme. Je veux dire par là que s'il est vrai que les communs qui nous rassemblent aujourd'hui, auxquels je suppose nous sommes tous sensibles, si les communs font aujourd'hui une grande montée en puissance, et c'est tant mieux, il ne faut pas faire preuve de naïveté et comprendre que les entreprises l'ont compris aussi, l'économie capitaliste et financière ne désarme pas et est au contraire très habile pour utiliser à son profit les mécanismes de l'économie collaborative. On peut citer par exemple les mécanismes Uber à cet égard. Je suis à la page 17 et je dis, en dépit des spécificités qui séparent ces deux modèles, il est possible de dégager à leur base un certain nombre de traits communs qui, lorsque on les rassemble, dessinent une figure de celle, une figure distincte de celle qui est à la base du modèle de propriété privée ou de propriété publique. Donc un certain nombre de traits communs qui rassemblent le modèle de la transpropriation et le modèle de la dépropriation. Première caractéristique spécifique. Comme juriste, j'observe que la qualification d'intérêt juridiquement protégé l'emporte nettement ici sur celle de droit subjectif. Plutôt que renforcer sans cesse la puissance d'un droit subjectif, d'une appartenance maîtrise exclusive, le droit des communs s'attache à identifier les différents intérêts que l'usage de la ressource peut affecter ou dont elle peut être elle-même l'enjeu. Et le droit moderne, un des défis du droit moderne des communs, ben, c'est de rendre compatibles ces différents usages légitimes sur la même chose. Deuxième trait, au plan anthropologique, quel est l'individu qui est derrière? Quel est l'individu des communs? Ce n'est plus Robinson Crusoe, ce n'est plus l'individu robinsonien, autiste et solipsiste.
C'est devenu l'usager participatif, c'est l'internaute branché. Ici, le réseau se substitue à l'île comme espace de réalisation du moi. Avec la postmodernité qui se réclame de l'interdépendance plutôt que de l'indépendance moderne, se fait valoir un paradigme qui est à la fois relationnel et pragmatique. C'est la relation qu'elle prend en compte plutôt que la substance. C'est l'action en situation plutôt que le concept ou l'idée statique et théorique. Et sur le plan psychologique, ces idées se traduisent par le biais de pratiques communautaires, des échanges d'expériences, des partages de ressources, des gestions en commun, qui génèrent de nouvelles formes d'identité personnelle, tout en s'avérant créatrice de nouvelles formes de communauté, par exemple la communauté des e-commoners qui utilisent, les jeunes connaissent ça mieux que nous, qui utilisent toutes les ressources de l'informatique. Troisième caractéristique, le fondement philosophique de ces communs. Il s'agit cette fois de le chercher non plus du côté de la liberté des modernes qui exaltaient le moi individuel, mais plutôt du côté de la liberté des anciens, qui depuis Aristote jusqu'à Hannah Arendt, en passant par Taylor et Walzer au XXe siècle, liberté des anciens qui comprend cette liberté moins comme autonomie et repli que comme participation active aux affaires de la cité. Avec la liberté des anciens, on ne pense plus que la liberté s'arrête là où commence celle des autres, mais au contraire que la liberté grandit et se renforce à la mesure de celle d'autrui. Alors la défiance fait place à la confiance, le repli fait place à l'engagement, la compétition fait place à la solidarité. On comprend dans ces conditions que l'exercice de la responsabilité et l'acceptation des devoirs ne sont pas une menace pour l'intégrité des droits fondamentaux, comme le craint souvent la modernité, mais au contraire, sont la condition de leur effectivité. Quatrième caractéristique, je n'insiste pas tellement, elle est évidente, la portée politique de ces figures de transpropriation et de dépropriation n'est plus occultée comme était occultée la portée politique de la propriété privée, mais elle est au contraire ouvertement thématisée. Cette portée politique est évidente, par exemple, dans les travaux d'Ostrom, où elle montre que l'essentiel tient aux discussions entre les gens, les commoners, sur les règles d'accès, de gestion, d'aliénation de ces biens. Je ne vais pas, Monsieur le Président, m'étendre longuement sur les caractéristiques techniques de ces deux modèles, transpropriation et dépropriation. Vous trouverez ça dans mon texte écrit. Donc il me suffit de rappeler que la transpropriation est un régime, d'ailleurs les historiens du droit pourraient nous en parler longuement, un régime qui n'est pas si éloigné de ce qu'on connaissait avant les révolutions modernes, un régime qui cumule sur un même bien différentes utilités, ne serait-ce que différentes utilités dans le cours de l'année, au profit de différents types d'usagers. Un exemple en droit positif moderne de cette transpropriation, on le trouve en matière culturelle, avec les réglementations relatives aux biens culturels qui font l'objet d'un classement par l'autorité publique. Le propriétaire reste propriétaire de sa maison, de son château, que sais-je, qui est classé, mais le tiers, le public reçoit des droits d'accès notamment, et les prérogatives du propriétaire sont limitées dans cette vue. En droit américain, on peut parler à cet égard de « bundles of rights ». Donc de façon plus réaliste finalement, les auteurs américains appréhendent le même phénomène en étudiant cette convergence de différents types d'intérêts ou même de droits, bundle of rights, sur un même bien. Je n'insiste pas. J'en viens alors aux figures de la dépropriation, qui sont dans un sens plus radical, qui
traduisent une sorte de principe général de mise en circulation, en quelque sorte, de ces ressources informationnelles. Notamment dans le cadre de l'open source ou bien de ce qu'on appelle avec un peu d'humour le copyleft, à l'opposé du copyright. Trois caractéristiques peuvent être attachées à cette dépropriation. Tout d'abord, ces expériences portent généralement sur des ressources susceptibles de circulation immédiate et dont le coût de production tend vers zéro et sont donc, comme on le voyait tout à l'heure, les conditions d'une illimitation et même d'une abondance que l'on reconnaissait jadis aux ressources naturelles. Ces ressources sont vraiment de libre parcours. Ce n'est pas assez dire que ces ressources sont non rivales, au sens où ce que l'un consomme n'est pas prélevé sur la part des autres. En raison de la créativité collective qui s'attache à ce mécanisme, il faut aller plus loin et reconnaître que l'usage que l'on fait, par exemple d'un article scientifique que nous lisons dans une revue en open source, l'usage que nous en faisons accroît la part de tous. L'usage enrichit la ressource en application de cette intuition philosophique déjà notée tout à l'heure, selon laquelle la liberté de l'un s'accroît et non pas s'arrête en raison de celle des autres. Deuxième caractéristique, non rivales, ces ressources sont également non exclusives, au sens où elles sont mises à la disposition de tous. Prévaut ici une logique d'inclusion constitutive, comme je disais, de communautés négatives, illimitées par principe et par décision. Un auteur a pu, à cet égard, faire la distinction entre l'ancien capital extractif, qui captait la valeur des communs sans rien reverser, qui consommait pour lui, opposition entre ce capital extractif et ici au contraire un capital génératif où ceux qui contribuent au commun créent leur propre économie éthique et augmentent la valeur de la ressource. Et troisième caractéristique, l'aspect évidemment le plus original de ces nouveaux mécanismes, c'est l'implication des membres des réseaux constitués autour de ces ressources, comme si l'abstention de l'avoir était compensée par la promotion du faire. Alors, dans mon texte écrit, je donne des exemples, je les détaille, leurs mécanismes, le free software, open source, copyleft. Par exemple, copyleft, c'est intéressant. Vous écrivez une œuvre scientifique et artistique, vous la mettez en circulation sur les réseaux. Vous n'abandonnez pas toute maîtrise sur cette œuvre, mais vous la sortissez d'une condition. Tous ceux qui la lisent peuvent à leur tour la traiter, la modifier, à condition qu'eux-mêmes laissent le bien de libre parcours. Et donc on a une sorte de chaîne ouverte qui se met ainsi en place. Il me reste, si je compte bien, 5 minutes, et cela me suffira pour quelques considérations de conclusion. 3 considérations de conclusion. La première, je l'intitule « Assumer la complexité ». Accepter la complexité. En effet, me semble-t-il, quelles que soient les évolutions à venir, il me paraît peu probable que l'on puisse se passer de l'une des 4 figures étudiées, propriété publique, propriété privée, dépropriation, transpropriation. Notre responsabilité de scientifique consiste à conceptualiser ces différentes figures et à tenter de penser au mieux leurs rapports respectifs, qui seront bien sûr tantôt des rapports antagonistes, tantôt des rapports complémentaires. Je pense aussi qu'il faut faire confiance au temps et à la logique historique et des choses qui relèvent aujourd'hui, par exemple, d'une logique privative, mais ça ne se fait pas en un jour, pourrait bien demain relever d'une logique de transpropriation ou de dépropriation. Deuxième remarque, c'est un peu un fil rouge de mon propos, c'est de toujours, dans ces questions, en revenir aux politiques. Il me paraît illusoire de penser qu'un modèle juridique, a fortiori un modèle philosophique, aussi bien pensé soit-il, illusoire de penser qu'il serait en mesure de modifier le cours des réalités s'il n'était soutenu
par un fort engagement politique porté par des hommes et des femmes, porté par une communauté politique. Cela se vérifie particulièrement, on l'a vu, pour les communs de la transpropriation qu'étudiait Elinor Ostrom. Et ce sera aussi un défi du droit en réseau d'aujourd'hui, dans un monde complexe, de penser les différentes échelles spatiales, depuis le plus local jusqu'au plus global, de penser les différentes échelles spatiales d'articulation de ces communs qui se mettent en place. Au-delà de ça, et pour en rester encore un instant aux politiques, je pense que le plus important est de réaliser que ce mouvement implique à son tour une redéfinition de nos pratiques politiques, de ce que politique veut dire. C'est que les différentes formes de recomposition de l'espace politique que nous connaissons aujourd'hui conduisent au minimum à une redéfinition des mécanismes politiques de représentation et peut-être même à une rediscussion de l'idée, qui est l'idée politique fondamentale de la modernité, de la représentation. Sous des appellations variées, nous parlons aujourd'hui de parlement des choses, ou d'assemblée citoyenne du futur, ou d'ombudsman des générations futures. Tout ça, ce sont des approximations pour tenter de réinventer la démocratie dans le sens d'une réappropriation du politique par les citoyens, non pas dans le but de déconsidérer ou de disqualifier la démocratie classique de type représentatif, mais pour l'inspirer, pour la renforcer, pour lui donner des idées à l'aide des mécanismes de la démocratie délibérative. Et enfin, je termine par une troisième considération relative au droit lui-même. Je boucle la boucle et je me dis, au fond, peut-être qu'il faut aussi penser à faire du droit un commun ou d'avoir des pratiques communalistes, en quelque sorte, du droit. La révolution des communs ne gagnera véritablement l'univers juridique que dans la mesure où le droit lui-même pourra faire l'objet d'un usage commun. La partie n'est pas gagnée à cet égard, car vous savez que des positions diamétralement opposées se font valoir aujourd'hui, avec d'une part ceux qui continuent à concevoir le droit comme un ensemble exclusif de règles, mais des règles sur lesquelles on peut faire des pressions de lobbying, en quelque sorte, qui peuvent faire l'objet de pressions sur un marché du droit, avec du lobbying législatif. Et venant de Bruxelles, capitale des institutions européennes, je peux vous dire que le lobbying auprès des instances européennes par les puissances industrielles est quelque chose de quotidien. Je pense aussi à des formes de dumping régulatoire exercées par les investisseurs à l'égard des États les moins regardants, les moins exigeants en matière de lois environnementales, fiscales ou sociales. Donc c'est une conception en quelque sorte de la règle de droit comme instrument sur un marché, ou à l'inverse, l'esprit dans lequel nous nous inscrivons, et certainement je pense à un colloque comme celui d'aujourd'hui, est une conception du droit comme une ressource, commune qui est susceptible d'être améliorée par le débat et par les pratiques communes. Et je pense notamment à cet égard que l'activisme judiciaire, le fait de saisir des juges pour leur demander d'interpréter la règle de droit dans un sens plus favorable au commun, est une voie prometteuse, et un certain nombre de succès obtenus aujourd'hui par des associations citoyennes en matière de justice climatique peuvent nous remplir d'espoir à cet égard. Voilà, Monsieur le Président, j'espère ne pas avoir dépassé les 60 minutes qui m'étaient imparties, et je vous remercie de votre attention. Grazie di gran cuore al professor Ost per questa articolatissima esplorazione all'interno dell'universo proprietario, un universo differenziatissimo ai cui limiti ci sono forme di figure di transpropriation e anche di depropriation. Il panorama è veramente suggestivo e merita tutte le nostre riflessioni. Grazie al professor Ost. Abbiamo ora una pausa caffè, però tenete conto che noi alle 15:15 ricominciamo i nostri lavori anche se non ci siete.
Va bene? E un caffè solo.